on croit parfois que le pétrole, la fin du pétrole, ça, ce qui mettra, terminera le progrès, qui mettra fin au progrès. En fait, aujourd'hui, on a une analyse un petit peu inverse. On pense qu'il y a trop de pétrole. Trop de pétrole, pourquoi ? À cause du réchauffement climatique. On a suffisamment de gaz, de pétrole, de charbon pour, si on consomme tout, mettre plein de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui vont réchauffer la planète. Et donc, ce qui va mettre fin, en fait, plutôt au progrès, c'est plus le réchauffement climatique que la fin du pétrole. Et donc, ça pose des questions en termes prioritaires. Ce qui menace notre civilisation, c'est plutôt les conséquences du réchauffement climatique, plutôt les conséquences de notre activité, les déchets produits par notre activité, plutôt qu'un manque de ressources, et en particulier un manque des énergies fossiles. Donc aujourd'hui, on n'a pas une pénurie d'énergie fossile, on a un surplus de pétrole et de charbon.